Donc, la question qui est importante, je vais résumer, c'est que lorsque il y a 12 principes, en fait, qui créent chez nous, lorsque nous ne sommes pas, nous n'avons pas trouvé notre voie, les entraves à notre épanouissement. Le premier s'appelle l'ignorance. Le Bouddha dit que l'ignorance, c'est pire que la pire de toutes les maladies. Lorsque un peuple n'est pas éveillé à la connaissance, ce peuple, c'est lui-même qui réclame l'esclavage. C'est lui-même qui dit, je veux être en esclavage. C'est pour ça que la Boétie a écrit un livre intitulé « De la servitude volontaire ». Beaucoup de Noirs disent que la France l'a caressé. Parce que du temps des Français, au moins, les Français nous fouettaient. Mais après, on mangeait. Tu comprends, non? Alors, on dit, mais le président de ton pays fait quoi alors? J'ai le fouet et j'ai pas la bouffe. J'ai le fouet et j'ai pas à manger. Donc, les Français n'ont qu'à venir. Donc, il y a des gens qui disent, hein, quand est-ce que l'indépendance va finir? Quand est-ce que l'indépendance va finir? C'est ça la servitude volontaire. Et ça, ça vient de l'ignorance que le Bouddha appelle avidya. Car l'ignorance n'est pas l'ignorance parce que tu n'as pas appris quelque chose. C'est le fait que tu ne sais pas quelle est ta nature. Et comme tu ne sais pas quelle est ta nature, tu ne te connais pas toi-même. Donc l'ignorance, c'est l'absence de connaissance de soi. C'est un être humain qui ne se connaît pas. Mais on peut le manipuler n'importe qui. Moi, je peux venir pour dire que c'est moi, Jésus. Il va dire, confie quoi? Tu es quoi? Je dis, Jésus, si tu me donnes 1000 euros là, je vais multiplier les pains. Et tu les vends, tu deviens, tu gagnes 20 000 euros, il te donne. Il court, il te donne. C'est ça l'ignorance. Ensuite, le karma, qu'il appelle effectivement Sarnikara. C'est-à-dire, c'est la somme des actes qui sont liés au désir du corps, à la flatterie de la parole, à l'exhibition de son ego, et qu'on peut modifier lorsqu'on connaît la loi de la roue qui tourne. Ça dit dans le bouddhisme aussi, rien ne peut être irréversible. Par ton libre arbitre, tu peux modifier le cours de ta propre nature. Car ta nature est bonne. Pour les bouddhistes, la nature de l'homme est bonne. Les bouddhistes ne connaissent pas le péché originel. La nature de l'homme est bonne. Ce qui fait que l'homme a des actions qui sont contraires à sa nature, c'est tout simplement qu'il a des penchants et des tentations qu'il ne maîtrise pas. Et cette tentation le pousse à l'excès qui va le détruire lui-même. Mais l'homme est bon. Ça, c'est africain. L'homme est bon. L'homme est intrinsèquement bon. L'Africain ne connaît pas le péché originel. L'homme est intrinsèquement bon. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la conscience qui elle-même se travaille sur elle-même. Ta conscience doit travailler sur elle-même. Tu vois, non? Et c'est ça qu'on appelle Vishnana. C'est-à-dire le travail que la conscience fait pour que jamais tu ne te laisses prendre sous l'emprise des choses qui vont te détruire. La forme de l'identité d'un être, Nyamarupa, c'est-à-dire la captation des cinq sens.
et la création d'un sixième sens, qui est effectivement ce qui met l'harmonie dans les cinq sens. L'instance qui met l'harmonie dans les cinq sens. Et cette conscience, tu as la vue, le toucher, l'odorat, tout ça, les cinq. Mais il y a un qui est là pour accorder les cinq. Un peu comme un instrument qu'on appellera l'accordéon. Pour accorder les cinq. Tu vois, non? Ensuite, tu as le contact. Le contact. C'est-à-dire ce qui harmonise les cinq. C'est ça qui fait que les cinq ensemble agissent dans la vie. Parce que souvent, on dit, fie-toi à ce que tu vois. Ça ne suffit pas. Tu peux voir quelque chose qui n'est rien d'autre qu'un produit cosmétique. Par exemple, tu peux voir une belle femme. C'est l'exemple que Bouddha donne. Tu vois une belle femme. Mais elle est belle pourquoi? Parce que toutes les femmes sont naturelles. Elle est belle parce qu'elle s'est faite belle par des artifices. Et quand tu vois les artifices, tu te dis, elle ne ressemble pas à celle que je vois d'habitude. Mais tu vas dans la chambre. Hein? Une fois les artifices sont partis, tu dis, elle ressemble trop à celle que je vois d'habitude. Bouddha. Tu vois, Bouddha dit non. C'est parce que tu t'es laissé guider par des artifices. Donc tu n'as pas le sens qui te permet de voir que la femme que tu vois là, demain, elle sera décrépitude de la chair. Est-ce que tu l'as choisie par rapport aux artifices ou est-ce que tu l'as choisie par rapport à la beauté de son cœur, Bouddha? Tu vois, non? Des fois, je crois même que moi-même, je suis bouddhiste. Bon, ensuite, la sensation. La sensation, c'est Vedanya. C'est-à-dire que les sens produisent un effet qui est trompeur. C'est-à-dire un effet en trompe-l'œil. Tu vois, non? Par exemple, tu vois quelque chose maintenant. Tu dis, écoute, ça là, c'est la maison de mes rêves. Tu t'endettes. Tu prends la maison. Mais c'est sur la base de la maison que tu as vue. Tu vois? Mais sans expertise. Donc tu rentres dans la maison. Hein? Et puis, tout s'écroule. Et tu tombes dans un trou. Tu dis, mais elle était belle, je ne pouvais pas penser qu'il y avait un trou. Mais il fallait savoir d'abord. Avant de prendre. Mais pas sur l'apparence de la maison. Faut jamais faire un choix de libre arbitre sur la base de l'apparence. Jamais. Il faut d'abord fouiller et connaître. Par exemple, même si quelqu'un a beaucoup d'argent, il vient. Je demande toujours aux filles, ne l'épouse pas. Parce que l'argent qu'il avait là, hein, est-ce que tu es sûr qu'il n'a pas donné à d'autres filles avant de te voir? Ah, s'il a donné à d'autres filles, pourquoi il n'est pas resté avec les autres filles? Pourquoi il dit maintenant que toi tu es la fille de sa vie, la femme de sa vie? Il te connaissait d'où? Dans quelle vie? Donc c'est faux. C'est l'argent qu'on n'a pas. Mais après, tu vis avec lui. Tu vois que c'est quelqu'un qui est méchant. Méchant. Alors il y a des filles qui font semblant de le supporter pour bouffer le maximum de son argent avant de fuir. Il y a d'autres qui fuient. Direct. Tu as ôté le masque. Je ne reste pas une seconde. Donc, c'est Bouddha dit que il faut expérimenter la nature de l'être pour voir si vos natures sont compatibles. Voilà pourquoi il faut éviter ce qu'on appelle les coups de foudre. Hein? Et des histoires comme ça. Non, ça n'existe pas, ça. Faut que tu le surveilles. Si tu es une femme, tu dois être espionne. Tu regardes même s'il a des dettes. Tout. Tu as compris? Et ça, tu deviens une fille de Bouddha. Une fille de Bouddha. Donc, il y a aussi ce qu'on appelle la soif.
c'est-à-dire tsna, tsna, c'est-à-dire le désir inextinguible, comme un chameau qui ne fait que boire, en oubliant que tu ne peux pas engloutir un océan parce que tu as soif, parce que ça peut devenir un excès. Donc il faut modérer ta soif. Tu vois, il y a des gens qui ont une soif immodérée. Et à la fin, il dit qu'il a mal au ventre, il a mal partout, il a mal. Parce que le mal est la conséquence de l'ignorance du bien. Donc, les gens croient que l'excès, c'est ça qui fait qu'on a le bonheur. Qu'est-ce que, fondamentalement, le locodère, c'est qui? C'est un être égoïste, hypocrite, jouisseur, qui accumule à l'excès des biens matériels et est capable de tuer pour avoir ses biens. Voilà pourquoi il ne sera jamais heureux. D'abord parce qu'il y a l'excès, il n'est pas modéré. Et deuxièmement, parce qu'il croit que le bonheur se fait lorsqu'on a fait, on a tué des gens pour avoir ça. Ils ne sont pas bien aujourd'hui en Israël. Tout le temps, on dit, le Hezbollah vient d'attaquer. Israël réplique et Netanyahou dit qu'il va dévaster le Liban. Et quelques minutes plus tard, Nasrallah, le chef du Hezbollah, dit que Netanyahou ne peut pas avoir la paix parce que le Hezbollah va maintenant rayer Israël. Je dis, non, tu es fort, Nasrallah. Mais si on raye Israël, on raye aussi Nasrallah. Puis s'il est à côté. Tu vois? Donc, c'est la surenchère d'une guerre interminable qui appelle des cycles de vengeance interminables. Le Bouddha dit, pour qu'il y ait la paix, il faut que chacun sache qu'il doit donner un peu à l'autre. La paix vient de la notion de partage, partage des terres, partage de la science. Partage de ceci. Parce que pour Bouddha, ce que les gens ont inventé pour que les hommes puissent se faire la guerre, tout le temps, c'est une minorité qui envoie les gens faire la guerre. Tu vois? Et donc, ils n'envoient jamais leurs enfants. Donc, ce qu'ils ont inventé pour que les gens fassent la guerre, c'est l'idée que, hein, on se bat pour une nation. Ça s'appelle le nationalisme. On se bat pour une patrie. Ça s'appelle le patriotisme. On se bat pour une race dont je défends la race aryenne qui est victime du grand quoi? Remplacement de qui? L'invasion des Noirs en Europe, dit le Dalai Lama. Mais tu vis pas en Europe, Dalai Lama. Quel est ton problème? Et si Bouddha revenait pour envahir l'Europe, tu l'empêcherais, Dalai Lama? Bouddha, s'il revenait, est-ce que tu l'empêcherais d'envahir l'Europe pour avoir une carte de séjour? Donc, il y a aussi le devenir. Non, il y a la captation, qu'on appelle upadana. C'est-à-dire que dès qu'il y a des objets désirables, les noirs, les êtres humains se battent pour que quelqu'un prenne l'objet. Et après, il tient les autres en laisse pour que les autres n'aient pas l'objet. Quand quelqu'un a un grand diplôme, il ne veut pas que son voisin ait le même diplôme. Pour qu'on puisse dire, moi, je suis plus diplômé que lui. Mais c'est quoi le diplôme? C'est un papier. Donc Bouddha dit que c'est sur la terre qu'il y a notre nation. Notre nation, c'est la terre. Notre nation, c'est la terre. Parce que quand l'autre, il fait des incendies sur son pays,
Et ça brûle chez toi. Eh bien, la terre entière est le don qui a été fait à tous les hommes. Et il y a assez de place et il y a assez de richesse. Mais il y a quand même des guerres. Parce que certains veulent s'approprier les parties les plus riches et ne rien donner aux autres. Ensuite, Bouddha dit qu'il y a le devenir. C'est-à-dire que tout être humain qui aujourd'hui a la puissance peut demain avoir la déchéance. Il n'y a rien dans le cycle de la nature qui prouve que tu vas rester puissant toute ta vie. C'est une façon de dire que les nations qui se croient puissantes aujourd'hui, demain, vous les verrez rayer de la carte. Pourquoi? Parce qu'elles sont envahies par les pauvres qu'ils ont créés. Ce sont ces nations qui créent les pauvres. Ce qu'on appelle les migrants en Europe, hein, c'est parce que l'Europe a semé la colonisation. Donc elle récolte l'immigration. Hein? C'est ce qu'on sème qu'on récolte. Donc le devenir, ça veut dire quoi? Même si tu es puissant, tu as de hauts postes, de grands titres. Il ne faut pas oublier un jour. La route. Ah. Si longue que soit la nuit, le soleil se lèvera et le jour va se lever avec le soleil. Le jour de chacun arrive toujours. Voilà pourquoi il ne faut pas faire du mal en se disant que ça va durer. Le mal ne dure pas. Parce que quand tu fais du mal, toi-même, même si tu continues à dominer les gens, tu as peur. C'est-à-dire, tu crées des représailles dont tu n'as pas la sérénité. Puisque tu sais que tu as fait du mal. Voilà pourquoi on dit tout le temps, hein, il y a des militaires qui, à la gare du Nord, font l'opération Vigipirate. Parce qu'à tout moment, un dingue peut s'exploser. Parce qu'ils ne sont pas tranquilles. Dans la forêt, chez nous, personne ne s'explose. Donc pourquoi tous ces dingues? Des fous de ceci, fous d'Allah, fous de ceci, c'est quoi ça? J'ai même vu des gens dans le métro. Une dame arabe voilée est venue avec un gros sac. Et donc, dès que le métro s'est arrêté, tout le monde a fui. Panique à bord et à tous les états. Oui, panique à bord et à tous les états. Il y a aussi ce qu'il appelle la naissance. Quiconque naît par sa fragilité de poussin sait déjà qu'il va mourir. Donc, le fait que tu naisses, ça veut dire que tu dois faire en sorte que le temps que tu ne maîtrises pas, tu ne maîtrises pas. Tu vois, non, tu ne maîtrises pas ce temps. Le plus beau moment de la vie d'un homme, c'est quand il a le cancer en phase terminale. Et le médecin lui donne des palliatifs et lui dit, va avec tes enfants, les gens que tu aimes. Passez ton dernier week-end. Parce que tu ne verras pas le lundi, ou plutôt le lundi ne te verra pas. Hein? Tu comprends? Et il voit le lundi. Et il voit encore 2 mois. Il voit encore 3 mois. C'est ça qu'on appelle le paradis. Moi, Covid, comme vous voyez là, à aucun moment, je n'ai pensé que tout ce qui existe sur cette terre m'appartient. Même mes habits ne m'appartiennent pas. Parce que le jour où je vais partir, tout ça va aller avec quelqu'un d'autre. Donc c'est un chanteur qui a chanté ça chez nous. Il s'appelle Saboran Danialou. Et la chanson dit Amonunde Rungu. Amonunde Rungwa. Ça veut dire, si tu trouves quelque chose, mange. Si tu trouves quelque chose à faire, fais-le avant qu'il ne soit trop tard. Parce que les gens qui ont des regrets, ce sont les gens qui n'ont pas trouvé quelque chose à faire d'utile. Et pas d'utile pour toi, pour l'humanité.
C'est ce que Cheikh Anta Diop a fait. Cheikh Anta Diop a fait une œuvre d'éternité pour l'humanité. Voilà pourquoi on ne peut jamais l'oublier. Mais s'il avait fait ce que Compaoré a fait, hein, c'est seulement quand on pense à Sankara qu'on va penser à son assassin. Sinon, personne ne pense à son assassin. Son nom est gâté, comme on dit en Côte d'Ivoire. Ton nom est gâté. Tu vois, alors. C'est ce qui s'est passé pour DJ Arafat. DJ Arafat, s'il avait été bouddhiste et s'il n'avait pas fréquenté les francs-maçons comme Ahmed Bagayoko, parce que c'est un enfant qui sait très bien que la différence entre la course des grands bolides dans les Formule 2, Formule 1 de moto et Abidjan, c'est que si tu n'as pas de casque à Abidjan et tu fais certaines roulettes, mais ta tête va se faire casser. Et sa mère lui a dit, ne fais pas. Et il a fait des chansons, il a dit des choses méchantes sur sa mère. Comme il était une vedette mondiale, internationale, il a dit qu'il va servir d'interface pour réconcilier les Ivoiriens. Mais ses amis sont dans le parti de Ouattara. Et les mêmes francs-maçons, qu'est-ce qu'ils ont fait? On l'a enterré, ils sont partis faire leur rite sur son cercueil. Ils sont partis faire leur rite sur son... C'est les mêmes! Donc DJ Arafat, c'est une victime. C'est un enfant d'Afrique. Mais quand tu as l'esprit du bouddhisme, tu ne fais pas des liaisons dangereuses avec les forces qui sont des forces qui portent la mort, des forces mortifères. C'est ça les Bagayoko et consorts. Hein? Ce sont des gens qui savent très bien que les loges maçonniques planifient la destruction de leurs frères. Et sont dedans comme les chefs de la Côte d'Ivoire, franc-maçon, et tu es en même temps ministre de la Défense. Comment tu peux défendre ton peuple quand tu es avec les gens qui veulent la mort de ton peuple? Voilà la position de Colis. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que toute l'Afrique s'est mise en deuil. Que DJ Arafat, j'ai vu des choses, c'est pas possible, quoi. Tu vois? Mais le deuil de DJ Arafat, c'est un deuil que nous portons naturellement. Mais on sait que des gens sont morts aussi dans la même Côte d'Ivoire. Hein? Papa Wemba est mort sur scène. Il y a trop de morts bizarres pour que l'Africain n'y voit pas les signes avant-coureurs de ce qu'on appelle nos ancêtres qui sont dépassés. Tu vois, c'est des gens qui ont l'argent, des millions, des milliards, chaque jour, et qui ne bâtissent pas une école chez eux, un centre de santé. Or, ils côtoient la misère chaque jour. Ils sont dans des jets privés, ils vivent en dehors du temps, suspendus sur les nuages. Et ils oublient la souffrance de l'Afrique. Donc, ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, les héros qui sont les nôtres sont des gens qui, au fond, ont tourné le dos aux ancêtres. Un peuple n'a que les malheurs qu'il mérite.